Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 30 avril, la Sainte Église célèbre Saint Pie V, pape de 1504 à 1572. Écoutons la vie de Saint Pie V, une vie pleine d'engagement, d'amour du prochain et d'un zèle apostolique remarquable. Deux religieux dominicains cheminaient un jour à travers la Lombardie. Dans un village, ils rencontrèrent un petit pâtre nommé Michel Gislieri, d'une noble famille ruinée par les guerres civiles. La physionomie ouverte et spirituelle de l'enfant, ses questions, ses réponses frappèrent vivement les bons religieux qui lui proposèrent de l'emmener pour le faire entrer dans leur ordre. Le pâtre, joyeux, prit le temps d'aller demander la bénédiction de ses parents. Ce jour-là, la Providence avait accompli de la manière la plus simple, un merveilleux dessein, car cet enfant devait être l'immortel Saint Pie V. Les études du jeune Michel furent brillantes. L'élève devint lui-même, à 20 ans, un professeur distingué. Bientôt, il lui fallut courber ses épaules sous la charge de supérieur puis d'inquisiteur. C'est dans cette fonction épineuse qu'il se créa en défendant les droits de l'Église des ennemis implacables et dut aller à Rome justifier sa conduite. Ce voyage de Rome marque dans la vie du jeune religieux. Les dominicains du couvent de Sainte-Sabine, le voyant arriver avec un extérieur négligé, lui firent mauvais accueil. Le supérieur alla même jusqu'à lui dire avec raillerie : « Que venez-vous chercher ici, mon père ? Venez-vous voir si le collège des cardinaux est disposé à vous faire pape ?» Le religieux, peu charitable, ne se doutait pas qu'il prédisait l'avenir. Le cardinal Carafa jugea autrement le jeune inquisiteur. Sous cet extérieur non modeste, il reconnut une grande âme destinée par Dieu à combattre vaillamment l'hérésie. Et plus tard, quand il fut devenu pape sous le nom de Paul IV, il eut hâte de donner un évêché à Michel Gislieri qui dut l'accepter malgré ses larmes. Dès lors, on vit briller en lui toutes les vertus apostoliques, surtout l'amour des pauvres et des humbles. Peu de temps après, l'évêque était cardinal. Il n'accepta des exigences de sa dignité que ce qu'il ne pouvait éviter. Son palais ressemblait à un couvent, sa vie à celle de moine. Jamais plus grande violence ne lui fut faite que quand on lui imposa de force la charge du souverain pontificat. Il prit le nom de Pie V. Peu de papes ont vu autour d'eux le rayonnement de plus grands saints et de plus grands hommes. C'était le temps où vivaient les saints Jean l'Aumônier, les saints Thomas de Villeneuve, les saints Jean de Dieu, les saints Jean de la Croix, les saintes Thérèse, les saints François de Borgia, Louis de Gonzague, Stanislas
Costa, Saint-Charles Borromée. Le grand événement de son règne fut la victoire de Lépante, dont il eut la révélation à l'heure même où elle fut remportée. À demain pour le Saint-Jour.